Je m'appelle Aline, je suis en DUT génie thermique et énergie à l'IUT de Colmar en Alsace. J'ai fait le choix de cette formation afin d'acquérir des connaissances dans le milieu énergétique pour les réinvestir au service de l'environnement. Je vis depuis toujours dans une ancienne maison en rénovation et c'est en assistant à ces travaux que j'ai compris tout l'intérêt de la bonne conception d'un bâtiment afin d'optimiser l'utilisation de son énergie. Il y a un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Il s'agit de la valorisation des déchets. Sur mon lycée, il y avait une station de méthanisation et j'ai donc été sensibilisée à la valorisation des déchets par ce biais-là. Je sais que la France a produit en 2014 324 millions de tonnes de déchets. Et je pense donc qu'il est important de travailler sur cet axe. J'ai participé au prix Women Energy in Transition pour montrer mon engagement dans la transition énergétique et affirmer ma place de femme dans un monde si masculin. Ce prix m'a fait penser à Rosie la Riveteuse, personnage américain qui symbolise le féminisme. Elle incarne toutes les femmes ayant travaillé à l'usine durant la Seconde Guerre mondiale. C'est le reflet de l'innovation et du féminisme.